Go. T'as vu, c'est des dingues. Hein. Ils sont dingues. Ça, c'est la New Country, ça. De mettre leur chapeau sur la poitrine car c'est l'hymne américain. On les applaudit bien fort, les cowboys du Long Grand Ranch et du Mélé Ranch. La fête du cheval western, c'est aussi la fête à Condat-sur-Trincoux, une commune du nord du département de la Dordogne, qui est un département français. Bien fort, messieurs, dames, donc les cowboys du Long Grand Ranch et du Mélé Ranch. Place au spectacle. Non, mais sans déconner. Ça aussi.
Les chemins pareils. Attention, écartez-vous les petits poneys. Écartez-vous les petits poneys, je suis pas mais. Alors, messieurs, dames, bienvenue à Westwood Ranch. Mon sonorisateur me tire les oreilles parce que je viens de lui faire sauter le retour parce que je parle trop près dans le micro. Voilà, donc c'est pour ça qu'il faut me pardonner. Donc, bienvenue à Westwood Ranch. Ouais. Vous avez pu profiter un petit peu de toutes les activités, les spectacles et les animations qu'il y a eu cet après-midi et ce matin sur le site. Et donc là maintenant vous allez pouvoir profiter d'un super spectacle western avec une équipe de figurants qui a bien travaillé toute l'année. Place au spectacle. Essaye de rien te casser, hein, mais c'est ça. Nous sommes en 1865 à la frontière du Texas et du Mexique, dans la petite ville d'El Rio, ancienne colonie espagnole. J'aurais dû amener mon appareil. Depuis que les colons américains se sont installés après l'indépendance du Texas en 1836, la petite ville a prospéré loin des guerres qui touchent les États-Unis et le Mexique. Vétéran de la guerre du Mexique et élu depuis plusieurs années, le shérif Morgan gère un petit souci quotidien qui peut y avoir dans n'importe quelle ville de l'Ouest. Pour sauver sa peau et celle des habitants d'Alger, il est obligé de fermer les yeux sur de la contrebande qui est de l'autre côté du Rio Grande, entre une bande de hors-la-loi Comanchero et des Mexicains républicains Juaristes. Chaque fois que la bande de Comanchero arrive dans la ville d'El Rio, tous les habitants se cachent pour ne pas participer à cette décision. Allez, je suis là.
affirmer son autorité, Œil de Faucon, le chef de la bande des hors-la-loi, attrape les hommes de la ville et inclut le shérif Morgan dans sa ligne de jeu. Œil de Faucon s'adresse individuellement aux hommes alignés avant de finir sur le shérif. Alors, espèce de chingaleux, tu vas me dire où vous cachez le vin dans cette ville puante de Ringo? Tu vas me dire où est le vin? Ou je te fous une caca? Je vais faire une photo. Tu vas me dire où est le vin? Est-ce qu'il y a encore des perros? Non, mais c'est compliqué, mon enfant. Toi, chérie, tu sais où est le vin? Réponds, je te dis! De côté à nous, là. Du plan de la force. Après avoir passé un tabac au shérif, Œil de Faucon là-bas comme un chien. Sur ces mots, les commandes chez Ross quittent la ville. Il y a des balades en positif, des balades en calé. Les balades en calé, c'est que c'est payant. Hein? Et sinon, j'aurais dû venir tout à l'heure. Thank you.
la diligence de la Wells Fargo Company est sur le départ dans la ville de San Antonio. Une prime a été posée de $1000 suite au vol du bétail au sud du Texas. Jacques Leclerc, un tueur à gages intéressé par la prime, embarque avec d'autres passagers pour se rendre dans la ville d'El Rio pour commencer son enquête et capturer le chef des Comancheros, Œil de Faucon. Au moment du départ, un des Comancheros se glisse à l'arrière de la diligence. Ah, faut que tu viennes filmer, toi ? Là, mets-toi au milieu pour filmer. Comment je fais ? Je vais faire. On se met au milieu pour filmer, mais passe par, par l'entrée là-bas. Je vais pas me mettre au milieu. Mais si, il faut que tu filmes au milieu. Arrivé au canyon du serpent, Œil de Faucon lance une attaque surprise sur la diligence. Je vais me mettre là pour filmer, j'espère. Tourne là-bas. Sans... Oh putain. Comancheros tue le groom qui accompagne et protège le cocher. Ils finissent par arrêter la diligence et font descendre violemment les passagers. Passager est épargné. Et après l'avoir désarmé, un des Comancheros se rend compte, en le dépouillant, que celui-ci est un chasseur de primes. Et s'adresse à son chef, Œil de Faucon. Chef, regarde ça! Celui-ci a une mise à prix sur toi dans sa poche! Dis donc, toi, tu serais pas une pourriture des chasseurs de primes? Pourriture, non. Chasseur de primes, oui. Mais c'est qui fait de l'humour, les gringos? Quel est ton nom? Que je sache à qui je vais refaire le portrait. On m'appelle Jacques Leclerc. Jacques Leclerc? Ce nom me dit quelque chose. Eh, dis, la rana,